Biographie de El Hadj Alpha Ousmane Serigne Diallo. El Hadj Alpha Ousmane Serigne Diallo est né en 1939 à Serende, la région administrative de Mamou, de Modi Souleymane Diallo, marchand, et de Aï Sonnaba. Il est marié à deux femmes, dont une vivante et père de 13 enfants vivants. Il a commencé son activité commerciale à l'âge de 13 ans auprès de son père qui faisait le commerce entre la Guinée et Kaolack, au Sénégal. Son père envoyait des vivres pour avoir des profits. Lors d'un de ses voyages, Modi Souleymane est tombé malade et mourut. Il est enterré à la grande mosquée de Kaolack, son père. Après la mort de son père, El Hadj Alpha Ousmane Serigne Diallo se retourne en Guinée pour apprendre le métier de chauffeur auprès de son oncle Modi Sori Serende, jusqu'à l'obtention de son permis de conduire. Sur cette même lancée, il a continué à cumuler le commerce et le métier de chauffeur. Pendant qu'il menait ses activités, il a rencontré le doyen Bamamadou, Sirajo Diallo et Alpha Condé, qui étaient des opposants historiques au régime de Sékou Touré, qui ont étudié avec son oncle à Paris. C'est ainsi qu'ils sont décidés de mener le combat politique pour aider la Guinée main dans la main. En 1984, le feu général Lansana Conté, après la prise de pouvoir, a ouvert toutes les portes aux Guinéens qui étaient en exil. Le jour où les opposants historiques, Alpha Condé, Sirajo Diallo et Bamamadou, sont arrivés en Guinée, il a pris sa voiture Mercedes pour aller les accueillir à l'aéroport pour les conduire à Dixine, où ils étaient accueillis par une foule compacte, joyeuse et pleine d'espoir pour le changement tant attendu. À l'époque, il n'était pas aisé pour un Guinéen de prendre sa voiture pour réceptionner un politicien, de quelque bord qu'il soit. En dépit des arrestations politiques en cascade, il a déplacé des montagnes au péril de sa vie pour accueillir ses politiciens. Selon lui, il fallait être croyant à l'unité de Dieu pour le faire. Allahu Akbar. Après Conakry, nous sommes venus à Mamou avec le même engouement, puis nous avons continué à l'abbé où l'accueil a été triomphal. De retour à Mamou, la jeunesse a demandé à El Hadj Alpha Ousmane Serende de réorganiser Mamou et surtout de soutenir la candidature de feu Sirajo Diallo, qui durant toute sa vie politique après 1984 n'est jamais passé par Mamou sans passer la nuit chez El Hadj Alpha Ousmane Serende Diallo. Lorsqu'il était question de présenter un candidat, feu Bamamadou s'est rallié au feu Sirajo Diallo qui voulait que ce soit Bamamadou le candidat du parti, mais ce dernier nourrissait le besoin que ça soit à la tête du parti de l'UNR, pour lequel il s'est beaucoup battu. À l'unanimité de tous les trois, c'est-à-dire Feu Sirajo Diallo, Feu Bamamadou, El Hadj Alpha Ousmane Serende, ont décidé de récupérer l'UPR avec Ba Ousmane pour que tout le monde se réunisse autour de ce parti. El Hadj Selou Dalein Diallo les ont donc donné raison, car l'UPR avait un large consensus de toutes les communautés de la Guinée. Cependant, il y a eu des débats houleux depuis 3 mois et 17 jours entre les leaders de ce parti. À cause du leadership qui émaillait ce parti, il y a eu division. Cette division a engendré des démissions ça et là. Il y a une première vague de 62 personnes et une seconde vague de 120 personnes, très influentes au profit des autres partis politiques. La puissance et la notoriété de l'UFDG sur le marigot politique guinéen relèvent de trois sensibilités politiques, UNR, UPR et UFDG, et surtout de la section motard. L'éclatement de l'UPR a été une aubaine pour El Hadj Selou Dalein, Feu Bamamadou, Baouri, El Hadj Alpha Ousmane Serende Diallo de former un bloc compact pour relancer l'UFDG sur l'échiquier politique national. Voyant son engagement politique, son franc-parler, sa popularité et sa capacité sur le terrain, les leaders du parti de l'UFDG l'ont choisi de façon consensuelle comme fédéral de Mamou. Étant le fédéral de la préfecture, son objectif majeur était de mobiliser et d'unifier toutes les ethnies, car à Mamou, il y a des soussous, il y a des forestiers, des malinqués, qui ne parlent que le poulard, et tous étaient même de même père et de même mère. Par rapport au multipartisme, El Hadj Alpha Ousmane Serende Diallo l'a défini comme le Sanakouya, fille Diala, et souhaiter le pouvoir pour son fils n'est pas égoïsme envers les autres enfants. C'est pour cette raison qu'il n'y a jamais eu la guerre entre les partis politiques et les ethnies à Mamou. El Hadj Alpha Ousmane Serende Diallo, qui a été choisi comme leader du mouvement, c'est le feu El Hadj Boubacar Bari,
El Mamia, qui réunit le gouvernement traditionnel composé de 12 personnes de ressources de Mamo. Elhaj Alpha Ousmane Serende, Elhaj Bakar Bari, paix à son âme, Elhaj Kier Mohamed Bari, paix à son âme, Elhaj Hadi Bari, paix à son âme, Elhaj Lansori Amadou Ndente, Elhaj Kouradaka, Elhaj Ba Alpha, Elhaj Farba Nourou, paix à son âme, Alpha Amadou Hore Fello, Mama Djili, paix à son âme, Madame Fayol, Madame Lavrana Bari, paix à son âme. En présence de tout ceci, Elhaj Alpha Ousmane Serende Diallo a été choisi à l'unanimité comme fédéral de Mamou, car selon eux, c'est avec Elhaj qu'ils ont vu Feu Sira Diallo, Feu Mamadou et Alpha Condé, l'actuel président de la République de Guinée. Elhaj Alpha Ousmane Serende Diallo nous dit que ça a été son premier honneur d'être choisi et accepté par tous les sages de Mamou qui étaient décidés de le soutenir. Il bénit tout Mamou sans oublier ses compagnons décédés, que leurs âmes reposent en paix tout en bénissant tous les sages de la Guinée. Dans cette optique, il y avait 7 sages aidés par tous les sages de toutes les régions qui étaient Elhaj Ousmane Serende, Feu Sira Diallo, Feu Bamamadou, Alpha Condé, Elhaj Bouakar Bari et Sori Serende, et la jeunesse qui a bien voulu accepter ces conseils. Par rapport aux relations Elhaj Alpha Ousmane Serende avec Mamou et plus particulièrement avec son quartier Poudrière, les rapports étaient fraternels et amicaux. Pour preuve, il nous dit ceci. Presque dans toutes les familles de la Poudrière, il y a un homonyme dont il est fier et béni. C'est pourquoi Elhaj Alpha Ousmane Serende Diallo a toujours dit que la Poudrière était son milieu propice pour y habiter. Vu le parcours d'Elhaj Alpha Ousmane Serende Diallo, nous pouvons conclure qu'il a été et reste toujours un grand acteur dans le processus démocratique, dans la culture de la paix à l'unicité, entre les ethnies et les sensibilités politiques, mais aussi un initiateur, un organisateur, un promoteur du droit des peuples, car en 2000, lors des élections communales qui ont abouti à des émeutes, Elhaj Ousmane a été arrêté, emprisonné à la maison centrale de Mamou avec 37 jeunes pour lesquels il a payé l'intégralité des cautions pour que tout soit en liberté. Tout en donc souhaitant longue vie et bonne santé, aujourd'hui nous célébrons, nous rappelons cette biographie pour la jeunesse, pour que tout un chacun se rappelle du bienfait fait par Elhaj Ousmane Serende Diallo et que cela puisse continuer pour le renforcement des relations en Mamou et entre tous les fils de la Guinée. Hibe moƴƴe an ɓe teddinimi teddini ɓen gure an den fof teddini julɓe ɓen fof aden ko seede ɗum ko tortoɗen Allah ko Allah yaafo ɓe enen kadi Allah huren ko yaafora en yo Allah fewnu en fof e law siratal moustaqim bijahi nabikal moustapha wa rasulikal murtada sallallahu alayhi wa ala alihi wa alfadli wa takrim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu.